Et puis pour clore ce chapitre politique toujours, les inquiétudes du président du Parti Socialiste, Élodie Roupaud. Dans une interview parue ce matin dans le Soir Magazine, il affirme que la sécession de la Flandre est inéluctable. Isabelle Palmitessa l'a rencontré ce matin. Élodie Roupaud demande aux francophones de regarder la réalité en face. Après s'être confié au Soir Magazine, il le répétait ce matin à Mons, notamment à nos confrères de la VRT et en néerlandais. La radicalisation du débat autour de la formation du gouvernement fédéral inquiète le président du Parti Socialiste. Pour lui, les francophones doivent préparer leur avenir. Il faut changer le climat. Aujourd'hui, quand on regarde les sondages du côté néerlandophone, il y a une radicalisation qui est dangereuse. Et vous voulez dire quoi aux francophones? Regardez la réalité en face, préparez-vous. Non, je le dis simplement que ce serait, naïf de ne pas analyser la situation, et nous devons travailler ensemble au sein des Bruxellois, au sein des Wallons, Bruxellois et Wallons ensemble pour l'avenir. Il faut le faire dans le cadre d'une Belgique unie. Et cette Belgique, il faut la désirer. Donc on doit travailler tous ensemble si on veut garder ce pays. Si on ne fait rien, la radicalisation va s'intensifier et là nous serons en danger.